Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr. Alors, ce samedi 1er octobre, on commence un nouveau mois et voilà, ce sera le week-end de l'Arc. Bien entendu, on aura de superbes courses du côté de Longchamp un samedi et dimanche. Moi, je suis parti avec les trotteurs en réunion 4 du côté de Laval, une réunion semi-nocturne, comme vous le voyez, avec la troisième course du programme. On va commencer le mois avec le prix de Rochefort sur le Loir ce samedi 1er octobre. Une course pour des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 60 000 euros. Un lot intéressant, un lot correct. 12 concurrentes qui vont en découdre sur 2050 mètres. Départ à l'aide de l'autostart, un parcours de vitesse hein, pour les 12 juments au départ. Et j'ai retenu une seule jument, ce sera le numéro 2, Héra d'Espace. Une concurrente qui est vraiment en grande forme. Hein. Comme vous le voyez, elle reste sur une bonne quatrième place. Auparavant, c'était 2 victoires. C'est une jument qui a beaucoup de vitesse. Vous allez voir la dernière fois, regardez, une 13-5 sur l'hippodrome de Vichy. Une concurrente donc qui possède de la vitesse, qui a un bon numéro derrière la voiture, qui est performante déférée des quatre pieds. Hein. Vous le voyez une nouvelle fois déférée des quatre pieds ici. Elle a également de la tenue, mais ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est de la vitesse. Et ça, elle n'en manque pas. Elle l'a souvent prouvé qu'elle était capable de bien faire sur les parcours de vitesse. Voilà, c'est une jument qui est en forme. C'est ce qui me plaît tout particulièrement. Elle est dans sa catégorie. Elle a, voilà, vous voyez, 59 080. Elle n'a même pas 1 000 euros du plafond dans cette course. Son record, vous le voyez, une 12-9. C'est l'une des plus rapides au départ au niveau de cette course, même s'il y en a d'autres qui ont déjà également trotté un peu plus vite. Mais c'est vraiment un bel engagement. Et sur cette piste, ça va être vraiment un avantage. Adrien Lamy qui lui sera associé. Donc voilà, pour débuter le mois, on va commencer avec cette petite jument. Donc en réunion 4, le 302 Héra d'Espace que je vous conseille comme à mon habitude, 1 euro gagnant et 3 euros placés. Après, chacun fait comme il le sent hein, au niveau des mises. Voilà, moi je vous conseille des chevaux qui me semblent à peu près sûrs dans cette journée. Donc voilà, Héra d'Espace, ce sera donc le premier cheval que je vous conseille. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce 29 septembre. Je vous indiquais. Joachim Bilou, je crois que s'appelait le cheval que je vous ai donné. Malheureusement, quatrième, deux fois de suite quatrième, on termine au pied du podium. Il y avait 10 contre 1, c'est dommage, et la place aurait été même très sympathique, mais bon, voilà, je pense que ce mois-ci, on ne terminera pas positif, il reste qu'un seul cheval. Ce sera Ghost des Charons vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. En tout cas, on a bien rattrapé le coup malgré tout en cette fin de mois avec 2-3 jeux qui nous ont permis de revenir dans le jeu. Mais bon, malheureusement, on sera un petit peu négatif. On va essayer de faire beaucoup mieux ce mois d'octobre, à commencer avec ce numéro de Héra d'Espace qui a vraiment, je pense, une très belle carte à jouer et qui devrait logiquement terminer sur le podium. On va se retrouver dimanche, hein, dimanche 2 octobre demain. Ce sera du côté de Longchamp. Écoutez, une fois n'est pas coutume, il n'y aura pas de réunion de trop. Hein, la réunion du prix d'Arc de Triomphe qui sera protégée. Du coup, aucune réunion PMU réservée aux trotteurs. Du coup, voilà, je vais tenter quelque chose du côté de Longchamp. Je n'ai pas encore fait le papier, mais il y a vraiment des courses intéressantes et vraiment fournies. Donc, on verra ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos. Vous le savez également, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr. Pardon, le TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. Moi, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de Un jour à Paris. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.